Et du coup, tu veux venir jouer à Warzone 2? Bah, ouais, enfin, c'est histoire de discuter, tu vois, bon. Et je vais te dire, mon petit Mabzouel, il y a des côtés positifs à Warzone 2. Et je vais t'expliquer clairement ce que c'est. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. J'avais peur, quand Warzone 2 est sorti, que ça allait mettre fin à ma vie sociale. Et bah, pas du tout. C'est un côté... Ah, c'est cool, ça. Non, mais y a du positif, frérot. Alors, on avait peur d'être addict, et bah, non. Il y a un côté... peur de s'amuser, bah non. Voilà, il y a un côté rafraîchissant parce que, tu vois, on se plaignait à l'époque, hein, Verdance, quoi, on veut du changement. Ah bah, c'est toi qui as mis un point de merde là ou c'est l'autre connard? Mais c'est l'autre connard, vas-y, saute tout seul. Non, mais l'autre, je l'ai mute, mais moi aussi, il sa vie. Allez, saute tout seul, allez, vas-y, casse-toi, allez, vas-y, va creux. Allez, Hector, dégage. Allez, on te retrouvera au goulag, frérot. Va t'amuser sur Warzone 2. Il avait un micro quand même? Ouais, il racontait sa life, je l'ai mute. Ah ouais, attends, mais t'es un mec sympa, t'en vas à mes couilles. Hein. Là, je me sens à la guerre avec plein de musique. Blague à part, j'ai vraiment l'impression d'avoir un ping. 3? Non, mais là, le ping est bon, je trouve. Et c'est un bug d'affichage, on est d'accord. Oui, bien sûr. Ah, c'est bon, j'ai eu mon kill. Putain, il a mis du temps à mourir. J'ai dû venir pour vérifier qu'il mourait bien. Alors, bon. C'est vraiment incroyable, c'est quelque chose de génial, moi j'adore, vraiment je... Moi je kiffe. Ah j'imagine. Ouais bah bien sûr. Tu peux imaginer. En fait les forteresses, avant tu sais tu devais désarmer, alors ça existe toujours le désarmement. Tu vois okay. C'est rapide, c'est bien et tout. Ah y'a un gars qui arrive. Sur moi. J'arrive du coup. One dead. Bien joué. Toi t'es derrière moi, putain je vais pas pouvoir m'esquiver. Non. Ah peut-être qu'il va se prendre ma clé mort. Ah il va pas me finir pour l'instant. Il est derrière moi. Oh putain je suis loin. Ah il m'a fini, c'est pas grave. Alors... Tu es tranquille ou pas? Oui j'ai fini tout de suite cette merde. Donc du coup en fait il y a des goulags, des forteresses maintenant, tu dois les capturer en tenant la position. Ah. Et alors bon, tu dirais ça durait pas longtemps, ça va. Mais ça dure super longtemps. Et les bots, t'as l'impression qu'on est retourné saison 1. Il y a deux fois plus de bots, deux fois plus vénères. Ah super. Vraiment, moi j'adore. Tout ce qu'on voulait quoi. Mais bien sûr. Mais je pense qu'ils ont compris, tu sais, ils se sont dit ouais les gars, les forteresses, les bots, c'est pas assez. Donc vraiment, bah merci Activision d'avoir écouté les retours de la communauté. Parce que bon... Trop sympa. Bah ouais. C'est pas tous les jeux qui écoutent la commune. Non. Non, non, non. Ah, c'est pas toutes les stations qui sont disponibles pour les jetons. Ouais. Oh! Oh! Oh, c'est un scandale que je gagne. T'as une forteresse au-dessus là, de là où je suis. Ok, j'y vais. J'en dis pas plus. Donc, du coup, j'espère que ça sera un truc où faut maintenir la position quoi, parce que c'est vraiment. Bah, cool. Ouais, faut que je puisse voir. Bah, c'est cool parce qu'en plus, tu sais, avant on prenait la forteresse, déjà on avait plein de bots et tout, mais on pouvait pas vraiment en profiter, tu vois ce que je veux dire? Alors que là. Voilà, là, tu vois, regarde, je vais devoir tenir la position. Voilà. Donc, bah, c'est long, hein. Mais tu vois, avant on profitait pas assez, tu vois ce que je veux dire? C'est ridicule hein, d'avoir fait ça. Ah non, c'est incroyable, excuse-moi. Ouais, j'y attends, t'es en train de critiquer là. Mabzouel, il est là. C'est un bot que t'as buté là? Non, c'est un vrai gars. Voilà, nique lui sa mère, ce fils de chouin là. Oh non, le drop shot. Oh, je déteste les gens qui font ça. Oh non! Donc là les gars, bah, ils vont devoir tenir ça, bon bah là... C'est bien parce que... C'est mon premier nouveau goulag. Ah, il est trop bien parce que tu peux plus faire le tour. C'était chiant en fait de pouvoir faire le tour et donner les indications à tes alliés. Vraiment, c'était vraiment inutile quoi. Donc là maintenant, bah tu te retrouves là dans un demi-couloir, voilà, et puis bah... Si ton allié... Ah mais du coup les autres spawnent là-bas du coup, c'est ça? Exactement, voilà. Ah puis c'est bien parce qu'au moins, bah ce goulag là c'est aussi une map d'escarmouche, tu vois, donc... Bah hey. Voilà. Pourquoi se faire chier? Voilà, ça peut arriver là au-dessus normalement. Peut-être, souvent ils arrivent okay. Un peu au-dessus.
ça va être à gauche, dans le couloir à gauche. Et à droite. Voilà. Ça va, Maps? Oh bah super. Si tu te souviens qu'on avait des redéploiements quand tu avais la forteresse. Ouais. Bah c'est fini hein, bah ouais. Ah y'en a plus? Non. C'est enlevé ça? Ah c'était cool hein. C'était cool, donc ils ont dit ouais, non, bon. Vas-y quitte hein. N'hésite pas. Je comprends pas pourquoi... Là, les forteresses, déjà que c'était chiant, mais c'était bien comme c'était, tu vois. Oui, alors maintenant, l'intérêt des forteresses est moindre. En plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, il n'y a pas de duo, donc même si on veut acheter la caisse, faut qu'on achète la caisse pour 3, même si on est que 2. Ah ouais. Non, mais moi, j'adore ce jeu. Moi, je trouve que c'est génial. Sous-côté Warzone 2. Donc, non, mais en fait, ce qui est vraiment intéressant avec la saison 3, je vais te le dire. Ah, dis-le-moi. Bah, ils ont pris, tu vois, la saison 2. La saison 2 qui avait... Il y a eu une petite déception la saison 2, je suis désolé de le dire comme ça, c'est pas une critique, mais c'est vrai qu'il y a eu une petite déception parce qu'on attendait pas mal de changements, pas mal de nouveautés, pas mal de réglages, etc. Pas mal de choses. En plus, après, j'ai envie de dire, c'est un peu de notre faute, tu vois. Parce qu'on demande. Et ça se fait pas de demander, tu vois. Ça se fait pas non. De... Non, ça se fait pas. Et donc, si tu regardes la saison 3, par exemple, moi, ce que j'adore, c'est la map. Tu vois, parce qu'ils se sont dit, on a une communauté qui est fidèle, qui est là, qui est présente, viens, on change absolument rien. Tu vois, comme ça, les gens, ils sont pas perdus. Mais tu sais qu'il y en a qui sont, ils sont vite perdus quand il y a des nouvelles maps. Hein. Ben voilà, et je pense qu'ils ont pensé un peu à la communauté profonde en disant, les gars, vous inquiétez pas, la map que vous aimez ne changera pas. Donc ils ont, il y a absolument rien qui a changé et c'est vraiment pour le bonheur des joueurs quoi. C'est fort, non c'est très fort, c'est très très fort. C'est très très fort, vraiment. Donc ils pensent à la communauté en disant les gars, vous inquiétez pas, c'est une nouvelle saison, mais c'est juste pour le Black Cell et le pass de combat. Le reste, il y a rien qui change. Waouh. C'est pareil, regarde, parce que il y a un truc, moi, que je détestais à l'époque, hein, je suis désolé, hein, c'est une petite critique, mais tu vois, entre chaque saison, ils changeaient le loot au sol. Ouais. C'était chiant, tu m'en souviens. Tu savais même plus quelle arme utiliser, tu utilisais des armes. Ben oui, non, mais t'étais perdu, tu vois, t'as... Ne t'inquiète pas, les développeurs nous ont écoutés, ils ont rien touché. Voilà, ils ont rien touché. C'est le même, c'est le même. Fort. Donc du coup, quand t'arrives à la saison 3, tu sais, t'as toujours cette petite angoisse en disant, oh, est-ce que je vais m'y retrouver? Où est-ce que je vais aller? Quelle arme je vais utiliser? Là, y a pas de problème. Là, vraiment, tu te trouves, tu t'es à l'aise. Vraiment, c'est comme si t'étais à la saison 2 encore. Même la saison 1. Wow. Vraiment, en fait, j'ai envie de dire merci aux développeurs. Parce que là, aujourd'hui, tu lances une game, tu fermes les yeux, tu pourrais dire, tiens, c'est la première game que je lance sur Warzone 2. Enfin, le jeu vient de sortir, je découvre cette petite pépite, et je découvre le jeu. Tu vois, le jeu n'a pas changé, il a gardé son authenticité. Oui, non, parce que tu pourrais te dire qu'après 6 mois, on aimerait des petits changements, mais non. Nous, non, ce qu'on veut, c'est ne pas être perdu, c'est être, tu vois, rester confortable avec ce qu'on a. Mais oui, non. Non, vraiment, c'est... et puis, ils ont... Alors, effectivement, ils ont écouté la communauté, ils ont mis des snipes qui one-shot. Ah, ça, j'ai pas encore testé. Alors, tu vas voir, frérot, c'est incroyable. Vraiment. Encore une fois... Après, tu me donneras une classe. Alors, après, je vais te donner une classe, si tu veux. Hein. Alors, encore une fois, je voudrais quand même remercier... les développeurs pour bah on sentait qu'ils avaient pas envie de le faire. Bah tu sentais vraiment que bon les snipes qui one shot c'était pas un truc qu'ils avaient envie de faire, mais ils ont mis leur ego de côté, ils ont mis leurs sentiments de côté et ils ont dit vous inquiétez pas les gars, on vous écoute, on va le faire. Alors j'ai envie de les remercier quand même parce que ils auraient pu mettre les snipers qui one shot comme sur Warzone 1. Ça aurait été trop simple. On va à mes couilles. Allez. Ils se sont dit, les gars qui veulent que le snipe one shot, je suis sûr que c'est des amoureux de snipe. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui aime le challenge, la difficulté, surmonter des choses qui ne sont pas forcément possibles. Donc du coup... Je t'entends pas, il y a la musique quand même. Ah, faut la baisser ça par contre. Hein. Oui, mais j'ai mis musique à zéro, il y a encore la musique. C'est pas celle-là qu'il faut baisser. Ah. Bah, ils ont mis un autre menu, bah ils ont rajouté des choses, frérot. Ceux qui disent qu'ils n'ont rien fait, franchement, mes 10 ans, je vous déteste. Donc, en ce qui concerne le sniper, ils se sont dit, les gens, ils aiment le challenge, ils aiment la difficulté. Et donc, ils ont mis un snipe en disant, tiens, si tu veux snipe, si tu veux tuer en une balle, il faut mettre les balles explosives. Mais, ça sera pas si simple, toi, amoureux du challenge. Donc, t'auras une retombée de balles très très forte, t'auras une vitesse de balle très faible, et la balle ne pourra pas du tout traverser les surfaces. Donc si quelqu'un est dans un véhicule, etc., tu ne pourrais pas l'avoir. Donc,
Si un mec il a 150 mètres, il y a déjà de la retombée de balles, tu vois. Vraiment, on va commencer à avoir de la difficulté dès le début. Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Je crois qu'il y a des gens qui arrivent près de moi. Hein. C'est sur toi? Ben, c'est la couronne. Ah non, c'est même pas la couronne que j'ai eue. Y a un gars qui marche à côté de moi. Bien joué. Y a un gars au-dessus de toi, il est tombé. Ah. Il est tombé pour elle. Ami sniper, vous vouliez le sniper qui one shot, ne vous inquiétez pas, on vous a écouté. Mais la facilité, ça ne sert à rien. Non. Vraiment, on va vous donner un peu de difficulté. Donc, si t'as un Gus qui est à 150 mètres en train de courir et sauter, et bah amuse-toi. Moi, je me souviens à l'époque de Warzone 1, tu pouvais rentrer dans des équipes professionnelles juste pour mettre un one shot à travers un hélicoptère. Tu te rends compte, ça c'était la belle époque, ça. Maintenant, c'est fini. Y'a un gars sur moi. Ah, quoi ? Yes. Oh non. How the fuck you kill me, bro? Donc, moi j'apprécie franchement cette. Ah, bah il a quitté l'autre tétard. Ah, mais c'est vrai que j'ai une cible prioritaire, j'avais oublié. Ah, je sais pas pourquoi il a quitté, il est débile. Bah ouais. Donc, du coup, voilà, le loot au sol est le même, la map est la même, tout est pareil. Voilà, tout est pareil. Ah, mais y a les ballons, c'est bien ou pas? Oui, c'est très bien, non, mais j'adore. Ce qui est bien en fait, les ballons, c'est que l'emplacement. En fait, quand la zone bouge, les ballons bougent aussi. Donc, c'est cool. No joke, c'est cool parce que au moins tu te retrouves avec des ballons plus ou moins partout. Juste fin de game, bon, y a plus de ballons, ils les retirent, hein, c'est fini, ils se barrent, ils rentrent chez eux. Ils font un petit tour en arrière et rentrent chez eux. Ils disent, ouais, c'est fini, les ballons, y en a plus. Bah, ça doit être des caisses de base, non? Caisses de ravitaillement, non? I don't know. Grosse nouveauté, regarde le loadout! Il est bleu, frérot. Waouh, il est plus jaune. Ah bah non, mais alors si tu dis qu'ils ont rien foutu, franchement, mauvaise langue. Ouais, 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 alors là, là vraiment, petite salope quoi, j'ai envie de te dire. Ah, je suis désolé. Waouh, c'est vulgaire, je trouve. Alors j'avais enlevé le... Non, mais il y a tout... Ouais, non, mais... ouais, non, non, vraiment. Ah, il y a un petit... une forteresse là. Une fausse forteresse. Une fausse forteresse. Ah, j'ai cru voir un gars. J'achète un drone du coup. J'ai un drone, mais tu peux acheter et puis claquer aussi si tu veux faire plaisir. Vas-y, je le claque. Allez. Trop bien. Alors, il y a une team là-haut. Tu la vois pas peut-être, mais il y en a une. Donc, on peut y aller. Non, je la vois pas. On peut y prends aller. Le ballon. Prends le ballon, vas-y, teste le ballon. Alors, j'ai vu que le ballon. Je suis là sur Warzone, je trouve que le ballon était trop rapide. Donc là, ils ont dit, tu sais quoi? Non, dis pas plus. Ah bah c'est comme celui sur Ashika, ouais. Il lance ça. Non, tu peux te faire tuer dessus. Alors, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, ouais. Donc, merci. Oh, y a du monde, là. Oui. Ça arrive, là. Crack shield, celui que j'ai ping. Mais il y a deux teams en fait. Ah non, mais on est en trio aussi. Non, non, il y a deux teams. Un crack. Bien, je vois rien. Attention, le drone quitte la zone. Ils sont là-dedans. Tu veux qu'on fasse une intervention? Bah attends, je les vois plus. Ils sont dans le bas, attends. Je peux te mettre une display. Faut que tu puisses push. Il y en a un en moins. Wesh, le dispi vient sur moi là ou je rêve? Un truc qui s'est mis... Oh putain. Merde, y'a un truc qui s'est mis en plein milieu de mon écran là. Rafraîchir les pixels OLED. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment, frérot. C'est pas le moment. Attends, je fais ça. Ça va. Un flash. Attention, y'a une clé mort. Allez, pète. Non, dans le bat, Crack shield dans la première pièce à gauche.
Tu les as tous eus ? Bien sûr. Bien joué, t'es trop fort. Ouah, t'es trop fort. C'est toi. Non, Georges perd. Non, non, je dois jamais perdre ce goulag. Jamais. Non, c'est vrai parce que... Mytho. Ah ouais, mytho. Allez, tu me dis si je peux te réa. Que reviens chercher ton stuff. J'arrive. N'en dis pas plus. Donc voilà, franchement, c'est plaisant, tu vois. Cette saison 3 est comme un bol d'air. C'est cool. Franchement, c'est cool. Vivement les World Series en Warzone, j'ai envie de dire. Ah bah oui, 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 oui. Ah, j'ai hâte de voir ton équipe, d'ailleurs. J'annonce Soon, là, bientôt. Moi, j'ai hâte de voir Chouachin en YOLO solo. Bah oui. Je sais pas si je peux te la ping. Ah, tu joues à l'intervention, là ? Ouais. Ah, oh, crack le gars dans l'hélico. Alors, la retombée de la balle, elle est cosmique. Hein. Ouais, j'aime bien parce qu'au moins c'est de la difficulté, tu vois. Parce que franchement, voilà quoi. Mettre des balles de snipe à je sais pas combien de mètres, s'il n'y a pas de retombée, voilà. Bah, c'est pas réaliste, frérot. Bah, frérot, tout le monde sait qu'un snipe au bout de 100 mètres, la balle elle retombe. Ah, bien sûr. Ah, les fusils de précision, ça a été fait pour être. C'est toi là, un fumé ? Ah non. Qui m'ont fumé du coup ? Ah, je sais pas. Qui a pété ? C'est Birdie ? Ouais, je pense. Ah oui, mais ça me tire dessus aussi. Ah, c'est dans haut, c'est dans haut. Ouais, attends, Oh, il est tout trempé, lui. Un à terre. Bah, deux down, du coup. Voilà, donc, bah, tout de suite... tout de suite, tu te calmes, quoi. Tout de suite, si t'as cru que j'étais ton pote, Ils l'ont relevé. Donc je sais pas si je vais avoir mon kill, je pense que... Redown. Redown aussi. J'aurais pris ça. Vas-y. J'arrive. Déjà en moins. Il y a du monde au chou. Il va falloir que tu me réas, mon pote. Ah non, j'ai un goulag. Non, t'as ton goulag, non ? Ouais, j'ai mon goulag, ouais. Autant pour toi. Alors, il y a un truc qui est bien notre joke, c'est qu'au goulag, plus t'avances dans le temps, plus les armes sont équipées et intéressantes. Donc quand tu reviens du goulag, t'as des armes qui sont quand même pas si ridicules. Il me l'a collé, putain, il me l'a collé. Ah, oh, bien wesh à lui, bien wesh, bien wesh. Y'a un petit shop si tu veux faire une bonne action. Ouais, mais ça vient de Réa là au shop. Reste appuyé. Hein. Ouais. Bon, par chance, c'était un masque. T'as un shop là sur mon chemin ? Là. Parfait. Ouais, c'est vraiment à côté, donc vraiment, ça va. Merci John, qui est là pour le 15ème mois, salut Sky. Un mois de plus avec le meilleur, bah écoute John. Merci beaucoup mon pote. Tu te souviens, les shops, c'était un problème dans le jeu. Hein. Bah, ils ont remis comme si c'était la saison 1. Ils ont dit comme ça, les gars... Mais c'est ça que j'ai vu sur Twitter, qu'il n'y a pas assez de shops encore. Bah non, bah... Tu lui as enculé sa grand-mère. Ah. Il m'a mis la même du coup. Voilà, bah, double peiné chez la grand-mère là. Actuellement.